Hello tout le monde, c'est Falken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de notre let's play sur Halo Combat Evolved Anniversary, Halo CEA. Plusieurs choses avant de commencer. Tout d'abord, je voulais vous remercier infiniment pour le bon accueil que vous avez fait pour a priori le premier épisode sur Halo. J'étais surpris, je m'attendais pas à ça, donc je vous remercie. Très fidèles abonnés. Et comme j'avais dit normalement dans mon épisode numéro 2, il y aura une vidéo d'Halo le lundi, le mercredi et le samedi. Deuxième chose, j'ai oublié d'en parler dans les deux premières vidéos. J'ai oublié de remercier infiniment mon très bon ami Kurama pour m'avoir prêté le jeu parce que je l'avais plus, je pensais l'avoir encore et grâce à lui j'ai pu commencer mon projet et surtout vous proposer ce let's play. Allez faire un petit tour sur sa chaîne, Kurama Gaming, elle est dans la subbox, ou au pire je mettrai la description, enfin, comment dire, le lien de sa chaîne dans ma description. Ça me fera toujours plaisir, il propose du let's play sur Final Fantasy XIII-2 et des vidéos découvertes sur Final Fantasy XIV. C'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos, François. Donc honnêtement, je te remercie pour le bon travail que tu nous fournis sur YouTube. Troisième chose, je sais pas si ça va s'entendre. Et tout, je suis malade depuis 2 jours maintenant, je parle un peu du nez, je tousse un peu, là je viens de prendre les médicaments avant de commencer la vidéo, j'espère que ça s'entendra pas trop, donc j'espère que, écoutez, on passera une bonne vidéo et tout. Bon, je vais pas vous faire attendre plus tardivement, on va commencer maintenant. Petit retour sur le scénario comme d'habitude, on doit aller récupérer, on arrive sur une zone où on doit aller voir et libérer le Capitaine Keyes, du moins... voir si on peut le délivrer, quoi. Il serait détenu à bord d'un vaisseau Covenant qu'on appelle le Truce and Reconciliation. Il a été capturé par l'ennemi. Il est retenu prisonnier à bord d'un croiseur, le Truce and Reconciliation. Ce vaisseau se trouve à environ 300 mètres au-dessus de l'autre extrémité de ce plateau. Mais comment on va faire pour y entrer s'il est en l'air? J'ai un fusil, mais j'ai pas des ailes. Il y a un ascenseur gravitationnel qui transfère les troupes et les provisions du vaisseau à la surface. C'est par là qu'on entrera. Une fois dans le vaisseau, je devrais pouvoir suivre le signal des implants neuraux du capitaine Keyes. Ok. Go, go, go. On y est les gars, c'est parti. Et là, ça va être sympa parce qu'on va trouver une bonne petite phase de gameplay au sniper. Ça va vous permettre de localiser les Covenants sans être repérés. Allez, on s'en est arrêté là à la fin de l'épisode 2. Le canon fixe des Covenants au prochain call. Je vous... ZLB. Ah oui, d'accord. Pour la vision nocturne. Pendant que j'appelle des renforts en aide, sergent. L'adjudant va tenter de neutraliser un maximum. Ok. Éveillez leur attention. N'ouvrez le feu qu'une fois que l'ennemi nous tirera dessus. Ça va nous permettre de conserver l'effet de surprise. Si je me rappelle bien, il faut se positionner par là. Je vais me essayer de me... Voilà. Et vous voyez, juste là-bas, sur la tourelle, il y a quoi? Un ami grognard. Boum! Allez. Bon, je préviens, je suis très mauvais sniper. Hein. Donc si je fail, désolé. Waouh. Il y a du monde. Oh, voilà, on va recharger l'élite. Voilà, parfait. Je vais essayer. Oh bah parfait, il joue bien là. Marines. Ah, oh, qu'est-ce que je suis mauvais au sniper. Allez. On a le fusil d'assaut. Voilà. On va le faire au corps à corps et je me suis aussi loupé. Alors. Wow, wow, wow. Il y a du monde. Ok. Ah. Eh, c'est pas vrai. Alors. Ouais, c'est efficace quand même le sniper, hein. Il faut avouer. Allez, on poursuit. Ok, je sens que ce début de vidéo est très très chaotique. Ok, alors on poursuit. On y va. Tiens. Parfait. Le détecteur de mouvement signale une présence juste derrière ces rochers. On attend vos ordres pour intervenir, Cortana. Très bien. Bon, alors, même phase. On va essayer de se positionner au point de vue stratégique.
En même temps, je vois qu'il y a déjà une tourelle là. Ouais, mais ça m'énerve ça. Le haut du canon, à chaque fois, je me fais avoir. Voilà. Thème très sympathique. C'est chiant parce que, en fait, dès que je me fais toucher en mode snipe avec la lunette, ça m'enlève directement et ça m'empêche de viser, quoi, tout simplement. Allez! Il est presque mort. Avec son Needler, il me saoule. Alors. Je vais me mettre à l'abri, ouais. Et on va recharger un peu. Il y a du monde. On va faire le tour. Ok. Ah, je commence à retrouver un petit peu mes habitudes, c'est bon. Ok. Ouh, 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 fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Bouclier. Le bouclier, le bouclier, le bouclier. Parfait. Ok. Parfait. Nickel. Et ils me saoulent avec leur Needler, ils font mal. Wow. Allez, on va aller voir les grognards. Il y en a un autre ici. Parfait. Alors, dans mon souvenir, il faut passer par là ou par là-haut. On va aller voir par là. Toujours très important de fouiller le corps de ses ennemis pour récupérer des grenades, des choses comme ça. Ça vous aidera très bien en périple, hein. Surtout si vous essayez le jeu en héroïque ou légendaire. Petit conseil. Allez, on continue. Force des Covenants repérée un peu plus haut. Le passage de gauche devrait nous permettre de les contourner. J'ai ma petite Léo Stenbook qui m'avait demandé de passer en graphisme originel sur un beau panorama, je vois qu'ici, donc je vais le faire maintenant. Alors, on fait comme ça, voilà, pour vous montrer un peu la différence. Regardez, c'est quand même impressionnant hein, la différence. Regardez au niveau de la différence, là, des textures et compagnie. Regardez. Je vais rester sur le même panorama. Ils ont quand même fait du bon boulot. Hein. Vous avez vu au niveau des montagnes, au niveau de la planète et tout. Toujours bien sympathique. Alors, par ici. Oula. On va déjà avec la tourelle là-haut. Boum. Non mais... Mais c'est... Merci. Merci, au bout de 3, ouais. Je suis un petit peu une lavette, quoi. Ok. Oh. Je vois un ennemi covenant là-bas. Elite. On va essayer de l'avoir. Parfait. On va faire le tour. J'aime bien cette petite stratégie en fait. On va utiliser les grenades, choses comme ça. Voilà, comme ils ont volé. Cette mission, je la trouve vraiment bien parce que ça a pris... quand la première fois que j'avais fait le jeu, j'avais trouvé pour une fois que le sniper était très facile à manier. Bon, ok. Quand j'ai dit que j'étais mauvais sniper. Vraiment. Il y en a un juste là. Nickel. Ouais, ce qu'il faut en fait, c'est éviter qu'ils se regroupent. Les avoir un par un. Ça, c'est plus efficace. Quand je vais en voir un tout directement, il nous reste 40 balles de sniper. Alerte. Vaisseau de largage des Covenants en approche. Mais... Ah... Oh. Si... Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Quel gogol! C'est pas vrai, j'étais mauvais là. J'ai été très mauvais, j'ai tué un coéquipier. On est mauvais. Voilà. Ah, j'en vois un autre là-haut. Enfin, en bas, pardon. Ok. Bon, là, il me voit pas, hein. J'ai un bouclier furtif. Ok. Chef Philippe. Nickel. C'est bien qu'on soit invisible, ça fait plaisir. Ah oh oui, j'aime. Thank you. Alors, on va poursuivre par là. Voyons voir. On a combien de vidéos? 9 minutes, ça va.
Je pense que je vais couper à partir de maintenant les épisodes en deux pour chaque carte. Les épisodes en deux, ouais, c'est ça. Les épisodes que moi je tournerai tout simplement en deux pour vous faire deux épisodes. Parce qu'à partir de maintenant, si d'après mon souvenir, en fait, les épisodes. Enfin, les cartes, pardon, font. Eh bien, tout simplement une heure. Donc, proposer une demi-heure et une demi-heure. Ça sera mieux pour vous au niveau. Pour suivre et ça fera un peu plus d'épisodes comme ça. Oh, il y a du monde. Oh, je l'ai collé. Nick, oh, le carnage. Parfait. Tiens, je suis en train de m'en rendre compte maintenant. Je vais lâcher le sniper et je vais prendre cette arme que j'aime bien. C'est le fusil à plasma. Tout simplement énorme. Si j'essaie de coller. Oh oui, je m'en sors pas mal. Ok. Un petit copain avec grognard. Alors. Je reviens par rapport à un petit commentaire de Jonah Beridano. Pour moi, les grognards, en fait, ça s'appelle des sales gosses. Et, oh, je me suis loupé. Et moi, c'est vrai que leur voix française, leur doublure française m'a fait particulièrement très plaisir. Et je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien doublé, c'est bien marrant, quoi. Ok. Allez, on sert la fin. Ah, presque mort. Ah, c'est bon, il y a rien là, je sais pas ce que je fais. Vaisseau de largage des Covenants en approche. Encore? Je prends la tourelle. Ok, tire de là. On va les accueillir, nos amis. Exactement par là. On va voir si ça fait du dégât. À base d'énergie concentrée, hein, à plasma. C'est magnifique les effets de lumière, j'adore. Ouais, a priori, on a l'air de faire un petit carnage. Oh, il y en a d'autres ici. On va se faire plaisir, les amis. On va se faire plaisir. Alors. Ouais, c'est particulièrement efficace, hein. Ça fait mal. Hein. Il reste encore. Ah ouais, là. Ok. Encore. Alors. Je vois qu'il y a un rapace qui part là-haut avec son bouclier. Il va me faire un tir concentré, j'en étais sûr. Attention à ma vie. Oups. Ouais. Vite, dégage. Faudrait que je trouve un pack de santé. Parce que là, ma vie, elle est pas bien du tout. Il faudrait pas que je meure. Ok. Alors, voyons voir. Je me suis loupé. Alors. Ils sont où, mes amis, les... Ok. Il y a plus de Marines. Ils sont tous morts. Bon, toi, tu m'énerves. Parfait. Grenade dans le tas. On va voir à l'aveuglette. Il y a du monde, hein. Bon, notre priorité, nous, d'abord, c'est de faire les chefs élites, hein. Je l'ai toujours dit. Ça, les grognards prennent peur et nous attaquent moins. Ok. Rapace, c'est bon. Waouh, mais il y a du monde, hein. Parfait. On va essayer de faire du corps à corps pour économiser les balles. Ah, il nous attaque quand même, hein, petit salopio. Hein. Alors, point de contrôle terminé. On va passer où il y a la lueur, je suppose. Oh non, pas eux. Alors, eux, c'est des nouveaux ennemis. C'est ce qu'on appelle les chasseurs, les hunters. Ils sont très résistants et ils font très mal, surtout au corps à corps. Et ils ont une sorte de charge plasma qui concentre, vous voyez, la lueur verte. Et ils font très très mal. Je vais essayer de les coller. Je garantis pas... Ah ! Non, mais c'est pas vrai. Dégage ! Ah, j'en étais sûr, c'était sûr, j'avais pas assez de vie. Bon, ça va, je vais recommencer pas trop loin. Voyons voir. J'ai des grenades, on est pas mal. Ce qu'il faut, c'est que je les... Ah là là, ils bougent trop. Dans le dos, voilà, là je l'ai collé. Là, là je lui ai fait mal. Alors, leur point...
En fait, leur faille, c'est dans le dos. Mais il faut d'abord attendre, voilà, qu'ils fassent ça. Voyez, et là, on voit leur sang. Voilà, là, on l'a eu, déjà. Ce sera déjà mieux. Vous avez vu, hein, dans le dos, c'est beaucoup plus rapide. Mais en même temps, il s'était pris déjà deux grenades. Hein. J'en reviens pas, j'ai déjà plus de vie. C'est comme ça. Oh mon dieu. OMG. Parfait. La zone est dégagée. Occupons-nous de l'ascenseur gravitationnel. Maritz, tenez-vous prêt pour l'abordage. Ah, voilà. Montana à Echo 419. Nous sommes à l'ascenseur gravitationnel. Envoyez les renforts. Bien reçu, Cortana. Attention, départ, les gars. Fomer terminé. Une fois à l'intérieur du vaisseau, je me connecterai à l'interface neurale de commandement du capitaine. Il doit être à la prison du vaisseau ou dans les environs, ce qui devrait limiter nos recherches. Très bien. Echo 419, on approche. Dégagez la zone de largage. Franchement, je sais pas si vous me direz dans les commentaires, mais j'adore, franchement, la VF, la version française des voix. Des voix d'Halo, je les ai toujours aimées, je trouve qu'elles sont vraiment bien faites, quoi. Alors, on va les laisser monter, puis nous, on va les rejoindre derrière. Et j'aime bien cette cinématique qui va arriver. Elle est classe. On y est. Je suis connecté au transpondeur CNI du capitaine. Ok. Défense des Covenants détectée. Très bien. On obéit, hein. On est un soldat avant tout. Vous dites qu'il n'y a personne ? Regardez les appareils un petit peu. Covenant. Voilà, il y a du bruit. Ils sont où ? Oh mon dieu ! Tiens, mange-toi ça. Parfait. Non ! Ouf ! Ils sont où ? Oh mon dieu ! Il avait un bouclier. Il avait un bouclier. Allez, on se concentre. Oh, oh, oh. Oh. Allez. Par là. Je peux le voir dans ma... Ah, il est là ! Avec une épée. Voilà, parfait, je l'ai eu. Mais non, c'est pas vrai. Épisode fail, hein. Très très fail cet épisode 3. Hein. Là. Mais non, c'est pas vrai. Que je suis mauvais. Mon dieu. Il est où? Il est où, il est où, il est où? Là. Tiens, je te jure. Épée Covenant, en un coup, vous mourrez. Hein. Je précise. Pas droit à l'erreur. Hein. Plus, ça doit être une élite, un chef élite. Alors. On va essayer de faire dans le carnage, là. Boum! Parfait. Il y en a un autre ici. Parfait. Les chefs élites Covenant, vous les repérez à leur couleur rouge ou jaune. Hein. Les bleus, c'est des petits chefs, on va dire. Oui, bah bien sûr. Quand on voit ce qu'ils m'ont mis, hein, ce qu'ils nous ont mis. Allez. Oui, dernier. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai pris? Ça commence à m'énerver là. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de santé, mais quand même quoi. Sérieusement, ça commence à m'énerver là. Je fasse attention à ma vie. Faudrait que je trouve un pack de santé aussi. Ok, toi tu dégages. Ok. Bon. Ok. Alors lui avec le Needler, je m'en méfie quand même. Hein. Ça pourrait être qu'un petit grognard, on sait jamais. Tiens, prends soin. Mais là là!
parfait. Faudrait que j'aie un point de contrôle, C'est pas vrai, ils sont tous morts aussi, les Marines, pas du tout résistants. Alors, on va prendre un peu le fusil à plasma. Parfait. Ok. Rien, ça baisse bien. Mais le problème, c'est que vous voyez, cette arme, elle a tendance à surchauffer, en fait. Alors. Voilà. Il y en a encore ? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais arrêter, là. Je vais arrêter, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. J'ai pas de vie, j'ai rien. Tiens, toi, tu crèves tout de suite. Ouais, je te jure. Waouh. Ok. Bon, cette fois... Ça leur apprendra. On repère bien. Sur le radar. Ils sont où? Genre, y'a plus personne. Bah oui. Désolé, je parle pas beaucoup, mais là je me concentre, je vais pas vous faire revoir cette phase pendant 5 ou 6 fois là. Mais là j'avoue je commence un peu à rager. Ça s'entend peut-être pas, ça se voit pas, mais j'aime pas recommencer 36 fois. En plus si s'il faut que je mette ça sur YouTube. On va mourir. Tiens mais crève. Ah. Oh. Ok. Bon, j'ai déjà plus de Marines. Ok. Allez. Tiens, donne-moi ton arme. Bon, c'est pas grave. J'ai pas mal de munitions. Allez. Je vais garder mes grenades. Hey, hey. Point de contrôle, mais c'est parfait. Hein? Tiens là, puis toi là. Il y a pas de vie là. Ok, allez, on est parti. Ah bah enfin, poursuit. Toujours ce thème, toujours. Le main thème de Halo est vraiment énorme. Je ne peux pas l'ouvrir. Impossible de passer par là. On pourrait emprunter les passages latéraux pour la contourner. On serait trop vulnérable dans cet espace confiné. On peut rester ici pendant que vous essayez d'aller ouvrir la porte par l'autre côté, chef. Ok. Bon, on revient sur nos pas, alors. Il faut trouver un moyen d'ouvrir cette porte, chef. Très bien. Je suppose que ça doit être là où il doit y avoir un voyant vert, à la droite. Alors, juste voir, par contre... Logiquement, ça doit venir pareil, hein. Très bien. Ouais, ça doit être la même chose. C'est pas un petit grenier qui va m'arrêter. Je vais juste aller voir de ce côté-là. Toujours se repérer, hein, comme j'avais dit aux ennemis. Ok, bon, là c'est fermé, là c'était la porte où j'étais, donc on continue par où on est arrivé au début. Désolé si je tousse. Vous avez dit j'étais malade, hein, j'avais prévenu. D'ailleurs c'est peut-être pour ça aussi que je joue très mal. Je suis pas en grande forme. J'aurais perdu du temps sur la phase d'avant là, ça me saoule. Ok. Voyons par là. C'est rouge, là aussi. Alors. On va aller par là. Ok. Alors, on va aller voir par là. Ah, je vois que je suis déjà bien. Oh, mais non, c'est pas vrai. Faut absolument que je me trouve de la vie, là. Faut absolument que j'en trouve. Voilà, parfait. Ouais, je vais d'abord aussi... Ouais, mais genre... Eh, sérieux. Oh là, j'ai dû faire un petit carnage. Je vais attendre que ma vie remonte. Ouh. Ouais, bah...
par là, tiens, crève. Je vais attendre. Hein. Alors, grenade. Parfait. Je l'ai collé. Dans le tas. Nickel. Bon, là, je suppose qu'il va falloir que je descende. Allez, c'est parti. Mais non. Mais c'est pas possible. J'en ai marre. Les marines s'attendent de l'autre côté. Allez, recharge le bouclier, dépêche-toi. Ouais, je vais encore mourir, ça se sent gros comme une maison. C'est pas vrai, j'en ai marre. Pourtant, j'ai mieux joué la première fois. Voilà, là, je l'ai collé. Parfait. Une autre grenade. Là, on a fait un petit carnage. Bon. On va aller les libérer. Ma vie. Voilà, parfait. On va libérer. Ils vont m'aider. Ce sera plus simple pour moi. Puis tant pis s'il crève, j'en ai rien à faire. Hein ? Il faudrait une arme qui soit un peu de longue portée aussi, là, pour les avoir au-dessus. Voyons voir. Tiens. Je vois déjà que je peux monter par là. Chef élite ici. Non, mais... Ah. Mais ils sont combien? Ok. Chef élite. Parfait. Ok. Allez. Courez. Ouh la vache. Ok. Alors. Je suis concentré, hein. Je suis désolé si je parle pas beaucoup dans cet épisode. Mais j'avoue, j'ai pas la grande forme. Et puis si je veux pas que mes épisodes prennent du retard, il faut que je filme. Hein. Voilà. Mais je le fais par plaisir, hein. Bien sûr. Pas par nécessité, encore une fois. Je le précise. Hein. Oh là là. Non, non, je veux pas mourir. Remonte la vie. Voilà. Grenade. Parfait. Jusqu'à ils sont pas mal, hein. Y'a du monde, hein. Salaud, va. Toi, là-haut. On les a tous eus? Même pas. C'est pas le moment de louper. C'est pas le moment de louper. Non ? Allez, recharge la vie. Faut que je passe par là. Point de contrôle. Alléluia ! On va passer par où ? Je vais juste aller voir de l'autre côté. C'est encore ouvert ou pas ? Ouais. On va aller voir. Là, j'ai bien envie de leur mettre leur raclée. Voyons voir. Par là, c'est fermé. Par là, c'est ouvert. On va aller voir. Oui! Un chef élite, bah oui! Au moins, il nous aura donné des grenades. On va aller voir nos amis. Là. Tiens. Tiens, grenade. Verrouillé. Ah bah il est là notre copain. Ok. Bon bah a priori j'ai fait tout ça pour rien. Allez on descend. Faudrait que je trouve une autre arme là parce que j'ai plus de munitions pour ça. Tiens je vais vous prendre le Needler pour vous montrer un peu tiens. J'adore comment on recharge. Vous voyez les pics, plus ils sont grands plus sur le chargeur on a de munitions. Si on peut appeler ça chargeur bien sûr. Ouais, c'est par là.
Je croyais que la flèche était mal faite. Alors... je vois par ici, mais là on remonte là, non? Voilà, c'est ça, donc c'est de l'autre côté. Voyons voir. Stressant en plus, là, il n'y a pas de musique. Voyons. Hop! Voilà. Ouh! Allez. Je l'ai collé? Ouais, je l'ai collé. Magnifique. Bon. On va récupérer une petite grenade. Écoutez-moi ça, j'adore. Il a peur de moi, quoi. Hein, quelle idée de me voir. Je te blesse, ouais, bah ouais. Bah moi, je te tue. Chargement en cours. Ok. Par ici. Cortana à Echo 419. OMG. Cortana, ici Farmer. Je vous reçois. Ok, là, il y a du monde. C'est pas le moment de faire le con. Calez-vous sur mon signal et adoptez une approche rapide et basse. Mon dieu! Attends, le bouclier! Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Là, faut que j'attende mon bouclier. Se remettre comme il faut. Allez! Ah, parfait! Voyez, un pélican va à des amis pour nous aider. Et en plus, ça les attire. Ah, nickel. Ah, je suis content que vous êtes là, les gars. Je suis vraiment content. On va pouvoir faire un peu de ménage. C'est parfait. J'ai plus beaucoup de munitions aussi. Toi, tu dégages. Waouh. Sauf qu'eux aussi, ils ont encore leurs troupes. Hein. Ça brûle. Hein. Chef élite, là. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord s'occuper ceux du bas. Point de contrôle. Parfait. Ah, pack de santé. Enfin! Enfin. Ça fait plaisir. Et ici? Eh ben, c'est parfait. Un bouclier en plus. Allez. Ah, là, je suis regonflé à bloc, là. Va arrêter de mourir pour rien. Ok. D'accord. Alors, voyons voir. On va aller les aider un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ne les perds pas. Je trouverai cette ordure. Ah là 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 là. Je vais ne pas avoir de vie. Je vais. Allez. On se reconcentre. Et sérieusement, j'ai dû mourir une dizaine de fois. Je suis vraiment désolé. Sérieusement, d'habitude, ça m'arrive pas comme ça. Je suis vraiment largement meilleur que ça. En mode campagne, sur Halo, je vous rassure. Vous pourrez demander aux personnes qui sont proches de moi sur le live. Mais là, je suis bien pourri. Mais c'est... crève un peu, là. Oh là là, je suis sûr que c'est lui qui m'a tué, la connard. Va. Ouais, bah toi aussi. Tiens, mais il est pas mort, hein. Et encore... oh là là, mais ils sont combien, là-dedans? Ok, oh là 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 là. C'est un jeu de fou. Mais c'est un jeu qui est tellement bien. Alors. Ok. Une minute. Je vais me connecter au réseau de combat des Covenants. Et... ouah, mais... Cortana, c'est pas vrai. Je fais de mon mieux. Voilà, parfait. Non mais y'a combien d'ennemis là? Eh, faut pas croire, hein. Mais allô, en mode normal, hein, c'est chaud, hein. Viens par ici.
Encore, ouais. C'est quoi encore, là, qui va nous tomber dessus? Point de contrôle, j'ai peur. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? J'ai peur. Eh ben voilà. Aïe, 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 aïe. Ah si, reste là, c'est parfait, hein. Moi, ouais, je les ai facilement comme ça, hein. Plus comme ils sont à côté. Voilà, on voit là, un de fait. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Faut absolument que je le tue. Oh là là. Nickel. Et me dites pas qu'il y en a un autre. Hein. Me dites pas qu'il y en a un autre. Ça a l'air verrouillé ici. Et ils sont où, mes petits points rouges? Par là. J'ai réussi. Ok. La porte est ouverte. Tout le monde devrait pouvoir passer. Et ben c'est parfait. De se reverrouiller après la fermeture. Ha. Et ben c'est bien un manque de bol pour nous tout ça. Je vois qu'on est déjà à 36 minutes. Ça sera une vidéo un petit peu plus longue finalement, bah pour tous les fails que j'ai eu, hein, faut qu'on avance. Hein. Alors. Je propose qu'on explore encore une ou deux salles, puis après on s'arrêtera là. Prendre contrôle. Bon, on va retrouver nos amiraux. Hein. Ok. Oh là là. Continue comme cela. Merci. Ok. Ah mais il a un bouclier, en plus il me fout la trouille. Ok. Vous l'avez... Ouais là. J'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il y en avait un, c'était tellement obligé. Je sais pas si vous aviez vu la lueur avant que je commence à en parler. Et ben voilà, on les retrouve. Parfait. OMG. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Là, 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 non, c'est pas vrai. Bon, ça va qu'il y avait un point de contrôle qui était pas loin. Ah là là. C'est un truc de ouf, ouf. Mais c'est eux, là aussi, là, avec leur grenade de merde. Oh, mon... C'est moi. Aidez-moi, là, les Marines, là. Les des États-Unis, soi-disant. Ah, franchement, ouais, vous faites bien rigoler. Bon, on est par où, maintenant? Et c'est... Mais t'étais caché où, toi, encore? Hein? Ils sont beaux, leurs vaisseaux. Je vais vous le montrer un petit peu en... En plan, j'espère, de côté, ou... Voilà, qui peut être sympa, quoi. Ok. Bon, a priori, on les a tous battus. Et on est safe. C'est la première fois depuis le début de cet épisode. Alors, je résume l'épisode. Épisode 1, première partie. Un gros nouveau snipe. Épisode 2, je fail 10 fois là sur la même scène. Épisode 3, il manque pas de santé, il manque de la santé et je suis très mauvais. Alors, faut aller par où? Par ici. Ok. Oh mon dieu! Alors là, par contre, ça c'était joli. Je me félicite un petit peu quand même. Trouvons-les. Ok. Allez. Merci. Why? Oh là là, j'adore les effets de lumière dans ce jeu. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'adore les élites. Mes amis pour la vie. Ah mon dieu. Écrève un peu. Mais... Oh, aïe, 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 aïe. Bon, par contre, au niveau cerneux, pour l'instant, on n'apprend pas grand-chose, hein. On traverse des couloirs, hein, mais il se passe pas grand chose, hein. Allez. Ok. Ok, donc on est à l'étage au-dessus par rapport à la première salle où on était au début. Allez, ben, je rentre dans le tas. Attention, il peut être n'importe où. Ouais, ça je confirme.
Alors, un petit peu varier. Qu'est-ce que... On va aller voir par là. Et ben voilà! Parfait. Mais je le hais! Je les hais! Bande de connards, sérieux! J'aime pas insulter, hein, mais là, sérieusement, j'en ai marre. Alors. Ok. Bon. Y'a pas de la vie ou quelque chose, des munitions, non? Là, j'ai plus de munitions de mitraillette. Marqué comme ça, ça vous fait profiter un petit peu des herbes convenantes, hein. Alors. Ok. Waouh. Et la lumière fut. Pourquoi il dit qu'est-ce que? Je comprends pas. Alors. Bon, je vois qu'il y a deux salles a priori disponibles. Par ici. Ah. Là. De la vie. Enfin. Allez, on va aller voir par là. Ok. Ah mais pourquoi il a tiré? Je voulais les avoir au corps à corps. Je te jure. Mais qu'est-ce que... Eh. Me dis pas que c'est encore un espèce de barjo avec une épée. Je suis où là? Ok. On va aller, allez, on va prendre la vie, puis on va laisser venir là. C'est un score, c'est mine de rien, hein. À partir de l'épisode numéro 3, troisième carte. Hein. En même temps, s'ils avaient pas commencé à tirer, j'aurais pu faire l'instant de surprise, comme on dit. Je suis sûr qu'il y en a un avec une épée, obligé, voilà. C'est bien ce que j'avais dit, que je l'avais pas vu. Oui, bah tu sais quoi, ouais, reste là. Parfait. Il est où avec l'épée? Il est là. Et sérieusement, mais là. Non, je vais pas mourir. Mais occupez-vous-en un petit peu aussi là. Allez, crève. Crève, 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 crève. Il peut pas mourir. Eh sérieux. Lui c'est Terminator. Terminator Elite. Allez. Et il n'y a que des élites dans cette salle. Je sais pas si vous remarquez un peu quoi. Tout petit peu. Ok. Bon, par ici. Il y a quelque chose à faire. On va regarder par là. Alors. Il est où? Appuyez-moi. Juste pour vous montrer. Normalement de ce côté-là, il y avait un terminal si je me rappelle bien, non? C'est pas par là? Donc ce serait de l'autre côté. Centre de commandement du vaisseau. D'après le signal du transpondeur du capitaine, il doit être tout près. C'est calme ici, chef. Ah. Par contre, je propose. Ah d'accord, bah tu nous laisses comme un rameur quoi en gros. Je suppose que ça doit être l'entrée ou alors on pouvait passer. Voilà, donc là on montait. Là on est sur la salle. Bon bah écoutez, on poursuit. C'est parti. Ok. Voyons voir. Là. C'est pas bon. Alors on passe de l'autre côté. Y a pas de décalage, hein, c'est juste que c'est le temps que ça monte à mon cerveau. Hein. Le mec, trop débile. Voilà. D'ailleurs, j'espère que ça vous fait plaisir, hein, à mes petits 50 abonnés, chérie. Chérie, j'en sais rien, mais en tout cas, si je suis parti sur une série Halo, parce que je sais qu'il y a pas mal de abos qui sont des joueurs PS3, des joueurs Sony, et que ça vous fait plaisir de connaître la saga Halo, quoi. Moi c'est une série qui me tient à cœur et c'était un projet que je voulais faire depuis assez longtemps en fait. Et je me suis dit là pourquoi pas maintenant que j'avais enfin les moyens pour faire de bonnes vidéos, je vous présentais ça. Bon il y a les moyens pour faire une bonne vidéo hein, mais il y a surtout le commentary et surtout sans s'énerver quoi. Alors, la suite, par ici.
Bon, ça se ressemble un peu, hein, je conçois, à l'eau, hein, sur tout ce niveau. Hein, c'est toujours les mêmes décors et tout ça, mais c'est bon. Je vous assure, on n'a pas l'impression de faire toujours la même chose. On va aller voir en bas d'abord. De mon souvenir, il fallait... Tiens, bizarre, je crois. Je croyais pourtant qu'il fallait qu'on monte. Je vais aller voir par là, alors. Et je vois que la suite de la... Ah ouais, carrément. On doit être dans la prison. Ça ressemble à des cellules. Il doit y avoir plusieurs postes de détention. Le capitaine est sûrement dans l'un d'entre eux. Il faut continuer à chercher. Ok, bon, alors, on va désactiver les barrières. Alors, lesquelles s'enlever? Parfait. Donc là, la Marine Skimmer qui était détenue. Moi, je veux de la vie si possible. Je veux un pack de santé. Allez, s'il vous plaît. Faites pas les méchants avec moi. Parfait. Et en plus, des munitions pour mon fusil d'assaut. Un pack de santé et des grenades. Que demande le peuple? Allez, on retourne sur nos pas. Alors, donc là, on était monté. Donc là, il faut descendre par ici. Et voilà, nos amis les rapaces, puis on va changer un peu d'arme pour en économiser nos balles. Ah ouais, ça fait quand même un petit carnage, hein. Ça doit être par ici. Parfait. Ah, nouvelle salle. Ah, non, 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 non. Dégage, dégage. Mais c'est pas vrai. Non. Non, 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 non. Je vais pleurer, je vous assure, je vais pleurer dans cet épisode. Je vais pleurer. Et en plus, il y en a avec des boucliers. Bon, un mort, le deuxième il est là. Tu vas voir ce que tu vas prendre, tu vas voir. Ah. Pas cher, vous l'avez bien eu. Merci. Ah bah vous voyez. Chef, ouvrez ces cellules et fichons compte ici. Le panneau d'alimentation du mur de derrière. Ok. Bon, allez, on va libérer nos amis. On est à l'avant tout pour ça. Donc finalement on se rend compte que le capitaine Keyes est vivant, hein. Et heureusement parce qu'il avait une bonne partie des données qu'il avait données à Cortada dans l'épisode 1, mais c'est surtout notre chef, hein. Donc ça fait toujours peur, et surtout c'est toujours triste de perdre des frères d'armes, hein, comme on dit dans le langage militaire. Allez. Dieu merci, c'est toi. Vous êtes fou d'être venu ici. Vous savez pourtant bien que... Merci. Messieurs, verrouillez et chargez vos armes. Parez à partir. Oui, sergent! Pendant que les Covenants nous retenaient là-haut, j'ai entendu les gardes parler de ce monde anneau. Ils l'appellent... Halo. Une minute, chef. Connexion au réseau de combat des Covenants. D'après les données de leur réseau, l'anneau a une profonde signification religieuse. Si mon analyse est correcte, ils considèrent Halo comme une sorte d'arme. Une arme d'une puissance inimaginable. Alors c'est bien vrai. Les Covenants n'arrêtaient pas de répéter que quiconque contrôle Halo contrôle le destin de l'univers. Tout s'explique. J'ai intercepté différents messages sur une équipe de Covenants à la recherche d'une salle de contrôle. Je croyais qu'ils cherchaient la passerelle d'un croiseur que j'ai endommagé pendant le combat au-dessus de l'anneau. Mais en fait, il s'agit de la salle de contrôle d'Halo. C'est une mauvaise nouvelle. Si Halo est une arme et que les Covenants s'en emparent, ils l'utiliseront contre nous et anéantiront l'humanité. Chef, Cortana, j'ai une mission à vous confier. Trouvez la salle de contrôle d'Halo avant les Covenants. Marines, en avant. À vos ordres. Bien, chef. Oui, chef. Chef, prenez la tête. Retournons à la plateforme à navette pour évacuer. Eh bien. Ah ok, bah je voyais déjà des amis. Ils nous accueillent bien déjà. Parfait. Mais bon, on a Capitaine Keyes avec nous. On va être invincible. Et en plus, il a un Needler. Alors, qu'est-ce qu'on a appris d'un point de vue du scénario? On a appris donc que cet anneau sur lequel on atterrit s'appelait le Halo,
que c'était une arme et que si les Covenants trouvent la salle de contrôle, ils pourraient s'en servir dans la guerre qui les oppose tout simplement à nous, les humains, et qu'ils pourraient prendre l'avantage d'un point de vue stratégique sur la race humaine. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'excuse encore une fois pour mon niveau déployable de cette vidéo en termes de gameplay et de commentary. J'espère que quand même ça vous donnera encore envie de poursuivre l'épisode. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Salut tout le monde.